Loire pour la Gla Race qui se déroule en ce samedi édition 2024 avec toujours beaucoup de monde, des courageux avec un lac d'Annecy à seulement 6 degrés ici. Et oui, vous pouvez voir juste derrière moi justement les compétiteurs, regardez, qui arrivent justement du côté donc de du lac d'Annecy à Talloire pour l'arrivée donc des 6,5 km et ça continue encore. Beaucoup de participants ici du côté donc de cette édition 2024. Voilà, donc avec ce soleil, donc ils ont vraiment de la chance pour pouvoir profiter d'un soleil radieux ici du côté de Talloire. Nous sommes sur donc les bords du lac d'Annecy pour cette édition 2024 de la Glagoès. Beaucoup de, ils sont quand même très courageux pour pouvoir justement faire cette lancée qui a commencé donc avec en plus un très beau paysage ici. Donc du côté de la Race, donc du côté de Talloire, voilà. On va justement regarder ensemble le départ qui a eu lieu ce matin du côté de Talloire. Vous allez voir ce départ et puis quelques également interviews qu'on a fait tout à l'heure avec l'arrivée des premiers concurrents pour cette édition 2024. Regardez. Préparez et très fort de la place pour qu'ils nous entendent, ils ne vont pas tarder à partir. Allez, c'est parti, on peut les encourager très fort pour qu'ils comprennent que ce départ qui vient d'être donné. 26e Glagarès à tous. C'est parti. 3 km, 6 km, 14 km. Rendez-vous sur la plage. Thank you.
ce virage sur ta droite. Et la ligne d'arrivée, le niveau de la tente noire. Viens montrer ton dossard, s'il te plaît. Allez, un joli virage. Voilà, super. Belle première pour cette course. Regarde-nous, ouais, avec la pierre, on est en train de se faire, s'il te plaît.
sur la ligne d'arrivée, ça va accélérer. Entre temps, on voit arriver une nouvelle pirogue sur la ligne d'arrivée, sur le parking. Allez, bravo, on termine. L'attaque en 40 minutes. Le parcours de 3 km et demi. Allez. Bravo aux compagnies de club de Toulon pour cette deuxième pirogue. Bravo David, tu rentres en 57 minutes 37, Nicolas Thème 57 minutes et 42 secondes. Mais Théodore, il doit être par ici. Sébastien, tu en termines en 58 minutes 27, François Xavier 58 minutes 27 aussi, bravo. Merci à toi pour la dernière race. C'est un peu la tendance et le combat. On a vendu des positions qui sont parfaites de liste. La compétition à l'avant va très très vite. Les meilleurs mondiaux sont présents, donc forcément, quand ils ont des conditions idéales pour s'exprimer, ça donne de la vitesse. À mon avis, record de. Vincent qui a parcouru les 6,5 km ici du côté du Glag Race pour l'édition 2024 du côté de Talloire. Vincent avec un lac à 6,5 degrés, c'est ça? C'est ça, oui, 6,5 degrés, mais je suis pas tombé, donc ça va. C'est la première fois que vous faites ça ou ça fait déjà de nombreuses fois? C'est la deuxième fois. Deuxième fois. Et vous allez encore continuer dans les... Ah ben, je pense, oui, j'ai pris l'habitude. Hein. Et cet après-midi, je fais le tour du lac en vélo. Ah ouais, vous enchaînez en fait. Voilà, voilà. Comment ? Là, je sais pas, j'ai fait 1h03, donc je sais pas. Voilà. Mais je vous en prie. Il va essayer. Un petit mot pour cette compétition, vous avez fait les 6,5 km, alors, elle était bonne l'eau ou pas? Alors,
je n'ai pas eu le temps de goûter l'eau, mais c'est vrai que c'était un peu... j'ai du mal au début. Et puis après, je me suis sentie bien, curieusement. Et puis j'ai essayé de pagayer régulièrement pour faire les choses au mieux, quoi. C'est la première fois que vous faites ça ou... C'est la deuxième. J'ai fait 3 km l'année dernière. Et je me suis dit que j'allais tenter la 6 cette année. Voilà. Bravo à vous. Hein. Félicitations. La différence a été faite en tête et donc on devrait d'ici quelques instants voir le premier dossard de cette course franchir notre ligne d'arrivée et je vous remercie de faire un premier applaudissement pour les premiers concurrents. Elle est contente, elle me dit non mais je rêvasse là, on est à toujours dans le montagne. Elle me dit je rêvasse, Et tu en termines, montre-nous ton beau dossard s'il te plaît. Allez dossard 502. Jonathan, merci à toi. En 44 minutes, tu termines cette épreuve de 6 km 5. Bravo. On a un régional de l'étape, Laurent. Il termine à la deuxième place. En 45 minutes aussi. Bravo à toi Laurent. C'est toujours un plaisir de te retrouver tous les ans. Bravo. On t'attend pour la Dragon Race tout à l'heure. Allez-vous tout panel. Yes, I do. Open de France, le 15 juin à Besançon. Hyper pal d'or. Le club qui vient de terminer en 1h50 avec son dragon à terre. Bravo, bravo à vous. Allez les participants de la Gladiator Race pour cette édition 2024 du côté de Talloire et nous sommes avec des gens de Pau, justement des participants. Et ils ont fait le 6 km 5, alors quelle impression pour justement ces 6 km 5 sur le lac d'Annecy? Ben, super course, c'est vrai que c'est différent par rapport à l'entraînement où ben, y a tous les participants, il y a des vagues qui se créent, il y a des gens qui tombent et tout, mais voilà, super sensation. C'est votre première fois? Première fois, oui, mais pas la dernière. Ah, ça veut dire que l'année prochaine vous remettez... Ouais, c'est ça. Et vous, pareil, vous venez de Pau également? Toulouse, donc j'ai fait un tout petit peu moins de kilomètres. Mais je suis content, j'ai découvert le paddle aujourd'hui. Et accessoirement, le Mont Blanc aussi. Ce qu'on m'a dit, c'était le Mont Blanc, ça, oui, c'est vrai, super. Avec un beau paysage neigeux. Impeccable. C'est votre première aussi également? Oui, tout à fait. Mais bon esprit, super. Dans les bouées, ça joue pas la bousculade, tout ça, c'est rigolo. C'est vraiment très, 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 très loisir, quoi. Très bon enfant, ouais. Vous êtes arrivé combien alors? 1h04. À peu près. Donc moi je m'étais fixé une heure, donc un peu plus que ce que je voulais, mais bon. C'est déjà bien, hein. C'est bravo à vous, hein. Faut avoir du courage. Oui, d'accord, mais super, merci. Voilà. Mais moi je tiens ma tartiflette à volonté quand même. Ah, il tient sa tartiflette, voilà. Il n'est pas venu de Toulouse pour... On n'est pas venu acheter du terrain, nous. Hein. Merci à vous deux. Merci, bonne journée. Thank you.
Château Droit, pardon. C'est là où vous voyez un maximum effectivement de rameurs et de paddleurs. Vous avez